Bonjour, je suis Jonathan, ingénieur avant-vente Netgear. Je vais vous présenter comment configurer la base Orbi pour connecter un Freebox Player. Dans notre cas de figure, nous sommes au sous-sol dans lequel arrive le modem, la Freebox. De là, mes free plugs ne pourraient ne pas marcher à cause de mon installation électrique. J'ai différents compteurs, différentes raisons qui font que le free plug ne peut pas marcher. Donc du coup, je vais utiliser un câble réseau pour monter au séjour, pour brancher mon Freebox Player. Problème étant, je ne veux pas spécialement rajouter aussi un switch pour connecter mon player, ma base Orbi, puisque Orbi intègre aussi un mini switch à l'intérieur et dans lequel je veux bénéficier aussi de ma base Orbi avec tous les services, armoire, donc Bitdefender, circle pour la, le contrôle parental, etc. Je vais donc devoir configurer la base Orbi pour permettre le flux télé de euh, Free de passer à travers ma base pour que mon Freebox Player puisse avoir l'image de la télé. Je suis donc connecté à l'interface de Orbi à travers mon PC, dans lequel je rentre dans configuration avancée. Donc, de l'avancée, je vais encore dans configuration avancée et je clique sur paramètres VLAN. Là, j'active le groupe VLAN et dans lequel je dis que c'est le VLAN 100. C'est le VLAN qui est utilisé actuellement par Free pour transporter l'image télé. Et j'active ça sur le port numéro 1. Donc c'est ce port réseau que je vais utiliser pour me brancher sur le Freebox Player. Le port jaune à côté, c'est le Freebox Modem. Donc là il faut être un petit peu patient. Donc vous voyez, je suis en train de changer les chaînes pour forcer en fait l'abonnement au flux. Et donc on fait une petite avance rapide. Et voilà. Le flux a été récupéré et vous gardez bien entendu tout le service Internet classique de votre Xbox Player. Voilà, si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à appeler le service commercial Netgear. Au revoir.